première année se consacrer à un travail de base, ensuite une phase de perfectionnement pour le préparer à son nouvel emploi et ses missions. Après, on l'a confié à un opérateur pour aller en déploiement. Le Quai Forest a tout de suite fusionné. À ce moment-là, on était tellement proche de l'ennemi qu'il n'y avait plus aucun appui possible, aérien, enfin hélicoptère, tout ça, plus personne pouvait nous appuyer directement. L'ennemi nous avait clairement repérés. Donc malgré tous les moyens technologiques mis à disposition, le seul qui pouvait vraiment trouver l'individu et nous apporter des informations, c'était Luc. Là où vraiment il a gagné ses galons et puis même au-delà, c'est que non seulement il y est allé, mais il a engagé le combat avec l'ennemi pendant quand même plus de 5 minutes, où il a sans relâche attaqué un ennemi qui était armé. Et grâce à ça, je peux vous parler aujourd'hui. It's a great pride for all the Naval Special Forces Group to be able to get for Luc in Luc's memory as an heritage Deakin Medal. Il n'y a pas de mots pour le remercier.